La question de la sécurité sur les routes, une réelle préoccupation. Selon les récentes statistiques, depuis le 1er décembre 2013, environ 70 décès ont été enregistrés dans des accidents de la circulation sur l'autoroute du Nord à Abidjan et à Moussoukro. C'est pourquoi le ministre auprès du président de la République, chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, a consacré une journée à une mission de contrôle. Le ministre et sa délégation ont procédé à des contrôles de chargement, de l'état des véhicules et de la vitesse, au constat des infractions liées aux conducteurs, avec des véhicules pas forcément au point techniquement. Le ministre Paul Kofi Kofi lui-même a été témoin du non-respect des règles sécuritaires. Pour rappel, la vitesse recommandée sur l'autoroute du Nord de Saint-Grobo à Yamoussoukro est de 110 km à l'heure. Notre objectif était d'être présent avec les forces de sécurité pour sanctionner immédiatement les usagers qui n'auraient pas respecté le code de la route. Avec l'OSER, nous avons constaté et arrêté des véhicules qui allaient au-delà de la vitesse requise, qui est de 110 km, il faut que vous le sachiez, 110 km sur le nouveau tronçon, Saint-Grobo, Yamoussoukro, 110 km, mais 120 c'est sur l'ancienne partie, l'ancien tronçon. L'important que nous allons prendre, par circulaire bientôt, circulaire interministérielle, c'est de faire en sorte que les véhicules poids lourds de plus de 5 tonnes ne devraient pas circuler sur le nouveau tronçon jusqu'à ce que le péage soit mis. Donc, on va exiger qu'ils prennent l'ancienne voie à partir de Yamoussoukro pour rejoindre l'ancienne voie. Le ministre Paul Kofi Kofi a sensibilisé les occupants illégaux aux abords de l'autoroute du Nord à Abidjan-Yamoussoukro. Il les a invités à s'éloigner de la route, à préserver la salubrité et à suivre l'exemple de Saint-Grobo.